peut-être que si on met par contre une certaine généralité. Nous avons eu l'idée de vous offrir une image du satellite algérien Alsat 2. Elle a été prise le 11 juin 2023, soit 48 heures avant la visite du président. C'est le modèle de notre satellite. Надеюсь, что такие спутники будут бороздить всё. C'est ce que nous allons explorer ensemble. J'espère, merci beaucoup. L'événement que nous célébrons aujourd'hui, il arrive suite à la visite de Monsieur le Président de la République à visite d'État à Moscou, en Russie. Et en marge de cette visite d'État a été signé un accord gouvernemental entre l'Agence spatiale de la Fédération de Russie Roscosmos et l'Agence spatiale algérienne. Et les discussions qu'on a eues aujourd'hui, et après avoir écouté toutes les capacités de la Fédération de Russie dans le domaine spatial que nous connaissions avant, de par la notoriété de ce pays dans le domaine des technologies spatiales, nous sommes très, très optimistes par rapport à la coopération que nous allons avoir dans le futur. C'est vraiment très symbolique qu'au cours de cette visite, nous assistons à cette cérémonie de l'inauguration du buste au premier cosmonaute Yuri Alexeyevich Gagarin, qui est connu dans le monde entier. Nous avons eu des discussions très riches aujourd'hui en continuité de la visite d'État du président de la République algérienne à Moscou, où nous avons signé l'accord intergouvernemental de la coopération dans le domaine de l'espace. Aujourd'hui, nous avons pris la connaissance du programme spatial de la République algérienne à l'horizon jusqu'à 2040, et je pense que nous aurons les possibilités de la coopération pratique et nous ouvrirons une nouvelle page de notre coopération entre la Russie et l'Algérie dans le domaine de l'espace.